se trouve. Alors, tu noteras avec cette tenue d'époque que, étant sur un golf historique de l'année des années 1900, eh bien, c'est une partie que je vais faire en Nickory Style. Et je vous propose un petit road trip en Opal Coast sur la côte ouest de la France. Regardez ce décor, regardez ce magnifique trou. Et je serai accompagné aujourd'hui de mes acolytes. Donc Serge, qui a été le premier qui m'a fait découvrir cet univers finalement fabuleux. Et je suis ravi de l'avoir, il y a 2 ans, croisé ce personnage, mon Sean Connery à moi. Je vais être accompagné également. Alors je trouve qu'il a des petits airs de Jack Nicholson. Joël, que vous avez vu donc sur la précédente vidéo, président de la FHGA. Et puis on aura Stéphane également qui nous rejoint demain. Donc aujourd'hui une partie où nous serons trois picky golfeurs vous emmènent découvrir le golf Les Pins à Ardelot, un golf historique de 1934. Regardez-moi cette météo, regardez-moi ce parcours, regardez-moi ce décor, ce que c'est beau. Et si on y allait? Vas-y, ça ne fait pas plaisir. Hein. Magnifique! Sachez bien vous amuser. Ouais. Exactement. Parce que nous sommes dans un environnement quand même extraordinaire. Et le leitmotiv, c'est bien de prendre du plaisir. J'ai dit que je venais chercher ma dose d'ocytocine historique. Ça y est, ça commence à se chauffer comme à l'époque. Au milieu de l'entonnoir, c'est-à-dire milieu de fairway à peu près. Entre les deux bunkers là. Ouais. Ça. Excellent rythme. Eh mais j'ai progressé, figure-toi. Tu vas voir. Joli ça, eh. Hein. Avec quel club? Un mid iron, donc un 7. 6-7 ouverture, fer 3. Fer 3? Ouais. Fer 3, fer 4, fer du gérer plutôt fer 3. Et je voulais te demander, ça y est, c'était club ou. Ouais. T'en as acheté? Ouais, je les ai eus par le biais de Joël. Ah, ok. Donc, génial. Ah là là. Mais ça y est. Ça y est, tu fais partie de la bande. Ah bah clairement. Les Toby Free. Ouais! Ça joue! J'aime ça! C'est magnifique! J'ai joué quelques parcours hein, quand même en France, pas mal d'ailleurs. Et là, je peux te dire que Ardelot, c'est peut-être mon préféré. Ouais? Ardelot les Pins, ouais. Ah, je sais pas, il y a Vinay, c'est joli. Il y a un vrai défi que le golf, il est bon, compliqué. Il faut savoir jouer tous les coups. Ça. Savoir jouer tous les coups. 135, il est là. Ah! Bon. C'est ça. Oh, mes deux champions qui bataillent. Donc, bataille entre Sean et Jack. Wow! Joli ça, Serge. Ça part à gauche. Ok, t'es redescendu derrière le bunker, tu devrais échapper au châssis. J'adore. Vous les entendez probablement pas. Mes deux gamins qui se retrouvent, deux potes se retrouvent. Alors, mon coup était raté, soit. J'échappe à la correctionnelle. Et donc, d'ici, vraiment en mode approche, je vais sortir mon... Ni blic. Ok. Petite. Non, pas régule, 3, 4. C'est des dépareillés ou c'est une. Non, je crois que c'est. C'est tous la même. Ouais. Non, j'ai été gâté sur le coup. Je m'amuse bien avec. Et je commence à toi à me dire, ok, je sais pour quelle distance ce que je dois jouer. Alors. Joël est là, derrière le bunker. Ah! Ah, ça a accroché. Ah,
Pas mal. Ah là là, c'est pas mal. Il en manque, mais... Bugué. Double bruit. Ah oui, je suis en 3 là, 4. Ah. C'est la première fois que je viens jouer dans la région, donc je découvre avec des yeux d'enfant un peu le parcours, la beauté, le décor, la nature. Ce qui est quand même fabuleux avec le golf, c'est que quel que soit l'endroit où on s'y trouve, quel que soit l'endroit où on va golfer, eh bien le décor est toujours magnifique et on a la nature du coin. Voilà, juste cette vue là, si ça c'est pas beau. 419 mètres des blancs, 393. Alors, on part des bleus en Icorie. Et bah, plein milieu, Serge. Oh là 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 là. Ah non, regarde-moi ça. Alors, encore, je suis pas. Ah non, mais c'est un. Le côté détendu. Vous pouvez venir vous abonner à la chaîne, vous faites comme vous voulez, hein, mais vous vous abonnez, ok, ça me fait plaisir, ça vous fait plaisir, ça fait plaisir à tout le monde. Mais c'est surtout, voilà, pour ne pas rater les infos, les épisodes à venir sur la série, le hors-série Icorie. Si on revient au jeu, deux belles balles sur le fairway, celle de Serge et la mienne, et un petit peu sur la gauche là-bas, le décor est joli, vous avez Joël. Ok, ça se replace, milieu de fairway. Il nous reste 135 qui sont là, il reste beaucoup. Est-ce que je vais peut-être taper un fer pour m'amener un peu devant là-bas, équivalent d'un fer 3. Hop. Du coup, et c'est ce que je voulais faire. Donc là, un peu punché, pas forcément, j'ai pas encore mis de rythme. Mais je voulais me placer à moins de 100 mètres. Wow! Je suis, tu sais que je suis ravi, vraiment ravi de te retrouver. Parce que c'est toi, c'est grâce à toi. Oui, en fait. On en est là. Mais exactement. C'est grâce à toi que... C'est grâce à ta vidéo que j'ai rencontré Joël. Quoi. Par des petits numéro 1, ça n'a rien à voir. Hein. Ah là 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 là. Rentrer dans un club habillé en Icorie, je souhaite à tout le monde. On jouerait presque en noir et blanc si vous pouvez. C'est ça. Bon. J'adore quand tu joues comme ça, là, en contactant, en contrôlant ton bois. Allez dessus. Je trouve que ça met des balles. T'es peut-être sorti même derrière. Mais oui, mais ça, c'est ça, ouais. Non, juste pour te mettre le un peu de pression. Beau, en souplesse, magnifique. Et alors, c'est ce que j'ai noté en premier, que j'adore comment tu contrôlais ton bois. Et moi. Donc 100 mètres, on les a passés. C'est, quand on a une plaque, c'est 100 mètres entrée de green. Hein. Là, demain, ça va être terrible. Allez, je prends mon machine iblique. Alors, l'inconvénient, c'est ça. Je vais m'aligner milieu de green. Ah! Ouais, ouais, ce sera, c'est pas pire. C'est ça. Oui, oui, regarde, c'est juste là, là. Bien fait, ça. Magnifique. Alors, je vais aller dans le bunker là. Et moi, je suis dans la fringe derrière. Ouais, voilà. Ouais. C'est un super coup. Boum. Alors là, dans l'axe de jeu, en fait. Je dis, les grilles ici, c'est une tuerie. Allez, allez, allez.
pris 50 cm en plus. Ah, j'ai vu trop de pentes. Ah, ah. Ah, c'est bien dosé, ça. C'est joli. Bravo. Oh, c'est pas vrai, merde. Ah. Ça se disait pas comme ça à l'époque. Ça, merlipopette. Voilà. Ok. Deux putts. Combien, Sam ? Deux, trois, quatre, cinq, six. Il a tout. Il a pas les chaussures, mais il a le geste. Ça viendra sur les chaussures, ça viendra, les gars. Je vous assure. Monsieur, je vais vous mettre la pression tout le long de la partie. Alors effectivement, on peut préciser que nous sommes en Côte d'Opale, en Opal Coast, et on se croirait dans les Landes, c'est vrai. Alors un très joli golf, très beau fairway, très beau green, des coulées vertes dans la nature de pin. Serge est allé se mettre là-dedans. Là. Joël et moi en plein milieu du fairway, logiquement. Alors, il est extrêmement important, comme on n'a pas de technologie, de choper tout repère. T'es là-dedans, ouais. Choper tout repère, toute indication. Donc, en fait, ça permet de rester très alerte sur le parcours. Et en fait, tout, la nature, tout. Tu repères toujours les 135, tu calcules quand tu marches. Nombre de pas ? Ouais. Fais-le avec tes yeux de 10 mètres en 10 mètres. Ouais. Yes. Ouais. Tu sais, il est comme ça. Ouais. Commence pas, hein. J'adore. Quand ça va finir. Ah non, t'as échappé. Si, elle est retombée dans le bunker. Ça, c'est pas de bol parce qu'elle était partie pour ouais. Sortir. Ouais. T'as de la place à droite. Ouais. 135, 100. En fait, je sais pas. Cori, moi j'ai pour habitude, quand je suis assez loin, d'essayer de jouer l'endroit où il y a le plus de green. Je cherche pas le mât forcément. Ouais. Ah ouais, c'est pas mal ça. Ouais, mais. Non, c'est bon, j'y échappe. Bon, contact un peu plus difficile. Oh, joli! Magnifique. Merci. Tu joues, tu sais jouer à l'écorie, tu apprécies les coups qui sont faits. C'est ça. Un coup de fléchette là, une lame de rasoir. Nous, on n'a pas eu la chance de venir depuis une semaine tester le parcours. Une oblique spéciale. Faut que je passe la première bosse parce qu'après ça roule derrière. Ok. Ok. Stop. Bunker. Waouh, joli. Magnifique ça. Très très belle sortie. C'était la ligne. Merci jeune homme. Merci du coup. 1, 2, 3, 4, 5, oui. Ah ! Joli. Je ne sais pas si monsieur Joël apprécie tout autant que son partenaire de jeu y prenne autant de plaisir. Si la brigade du kiff, spéciale dédicace à Thomas, Lefty, je n'attends que ça, vous redonnez la main, chers amis. Un petit peu de vent de face, ouais, mais... Rallongé, hein. Ouais, mais le trou là, un vent de face,
On sent que la brise vient de la mer. Il y a une odeur, il y a un truc. C'est extrêmement plaisant, même si c'est difficile. Alors la casquette est merveilleuse, casquette en lin de chez Gavroche & Co. Et j'ai eu plusieurs modèles, dont celui-ci qui est quand même, alors j'avoue là, sur la tête, avec cette chaleur, plus que royal, vraiment. Alors, pour revenir au jeu, Joël est à gauche, un peu devant. Serge est à droite. Et moi, je vais être en plein milieu, ici. Hybride, j'ai vu, donc là, c'est un bunker à droite, il n'y a pas de bunker à gauche là-bas. Hein. C'est parti à droite, ouais, mais j'ai senti, mais c'est pas... Ok, rebond à droite. Je ne devrais pas être, oui. C'est ça, c'est ça. Oh là là, tu les claques, ça s'entend en fait. Très joli, Serge. Par à gauche. C'est l'art de l'observation, Licori. Ok, là, il y a le bunker, il y a quand même à passer. J'ai pris mon hybride spécial. Alors, je sais pas. Ok. Elle a pris le rebond, mais elle a dû repartir un peu en longueur. En 3, on va dire sur le green, c'est pas mal. Ouais, celle-là elle est belle. Très belle. Alors, t'as vu, hein, les clubs, même si elles sont d'Estrie, elles ne sont pas creusées du tout. Donc, non, mais... tu ne peux pas mettre de backspin. Le ça, et puis le contrôle, l'aléa qu'il y a sur des clubs, en fait. La balle retombe, roule beaucoup. Ouais, ouais. Mais du coup, très belle balle. Allez, allez, c'est la ligne. Il manque toujours le petit chouille. Non, non, je prenais cette petite pente. Bogey. Joli. Il est redoutable au petit jeu, Joël, j'avoue. Ouais. Joli. Le par. Magnifique. Merci. Bravo, Serge. Tu reprends la main. Petit bogey de Bibi. Serge, magnifique par. Tu reprends la main. Ah oui, oui. L'air un peu iodé là, de la mer. Là, ça part 3. Ah, 1 par 3. Fameux trou numéro 5. Il nous dit par 3 handicap 17. Ok. Par 3 handicap 17, 112 mètres des bleus. Attends, regardez bien le dessin. Ça tourne, ça a pris le vent ça. Mais tu échappes au bunker. Non, ça va échapper au bunker. Ok. T'as vu les bunkers, hein, c'est... Ouais, ouais. Ouais. Putain, je la vois même pas. Non, c'est super court. Bah, c'est devant, c'était droit. Hein. Mais, alors j'ai pris un... Machine iblique, mais j'aurais dû prendre un... La machine. Ouais, ouais. Joël est là. Moi, entre Green et Serge, là-bas. Mettre en petit jeu. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Ah bah alors comme ça en plus on me la donne tellement il est bien tapé. Allez, allez. Ah. Tu t'es mis à un poteur comme ça, non ?
Non. Allez, pour ça. Joli. Le par, premier par de la journée. Alors, j'ai joué une partie il n'y a pas longtemps. Je vous dirai, j'ai retrouvé mon mojo. Pouf, je vous décrirai ça dans pas longtemps. Mais alors, incroyable. Et là, je suis sur une dynamique plutôt pas mal parce que bogey, un double bogey, un par. Je suis bogey player en Nicori. Donc c'est un vrai, vrai, vrai plaisir. Allez, trou numéro 6 de ce parcours, les pins. Alors, ça roule, ça roule. Écoute, c'est que mon ambition, c'est de me placer, ce que je ne fais pas avec le régular. Qu'est-ce que je t'ai dit ? Ouais. T'as entendu quand même le commentaire d'un ancien marin pêcheur, ça chaloupe. Et il y a un truc que je ne faisais pas, c'était finalement, je tapais une balle sans réfléchir au coup qui m'attendait derrière. Et là, en fait, ça m'impose de réfléchir à ce que je vais devoir jouer derrière. Donc, c'est une qualité énorme dans la réflexion. Et la dernière fois, on a joué donc avec Joël. Le lendemain, j'ai joué en régular. Je crois que j'ai jamais joué comme ça. Simplement en apportant cette culture de Licorée à mon golf régular. Beaucoup d'apprentissage à en tirer. J'en suis ravi. En plus du style. En Licorée, c'est compliqué. Hein. T'as vu, dès que la balle est pas bien centrée dans le club, ça part à droite, ça part à gauche. L'enjeu, c'est le centrage. Et le principe que tu essayes à tout prix de faire, c'est de rester sur le fairway. Et forcément, c'est un objectif qu'il faut que tu atteignes. Donc, tu te concentres là-dessus. Ouais. Et donc, tu es bien meilleur sur les coups, après, avec des clubs plus faciles à jouer. Ouais. Bah, ouais. Alors, nous sommes en admiration devant The President. Bah, magnifique. Il a un contrôle avec ce club. Il roule des mécaniques. Montre-nous juste ton club à la caméra, tu veux bien. Je le trouve tellement Absolument. Joli. Je le trouve tellement joli. Alors attends, mettre comme ça. C'est un objet d'art. Bah. Et t'as un contrôle avec ce club qui est incroyable. J'aime la façon dont tu contrôles tes balles. Quand il y a du contrôle, c'est bon. Et voilà, je me connais un peu gratouillé là, ok. Mais au niveau de la gratte, il y a le contrôle aussi. Perdu, sauf que ça pousse. Ouais, je reste en plus plein milieu. J'ai passé le bunker, ce qui était le danger qui m'inquiétait. Il y a plusieurs grands plaisirs dans les Licorée en fait. Le fait de retrouver, mais alors pour beaucoup, c'est une situation qu'on a connue quand on débutait l'aléa des clubs. Voilà, entre ce qu'on arrive à taper plus ou moins régulièrement, un vrai plaisir, même quand la balle ne part pas parfaitement, parfaitement. Et le deuxième. Ah. Ah, c'est gratouillé. Ah, gratté. Je sais pas si elle rentre ou pas. De quoi ? Un tartare d'Icorée. Ah ! Alors j'ai pas vu le rebond, si t'as échappé ou pas au bunker, j'arrive pas à savoir. Donc le deuxième très grand plaisir, c'est qu'imaginer dans cette tenue, eh bien, tout le monde, vraiment tout le monde, alors vous regarde, tout le monde vous regarde, c'est sûr. Beaucoup magnifique. Serge a planté le drapeau. Ok. Et les gens s'arrêtent, demandent à être pris en photo. Juste pour ça, c'est
un élément qui est incroyable. Donc ajouter du plaisir sur le plaisir sur le plaisir, autant dire que au golf en général et en Ikoyi en particulier, ce sont des doses d'hormones du plaisir qu'on s'injecte pour la journée. Ah ! J'étais pas... T'es descendu de ton nuage. Ouais, j'étais pas en confiance non plus totalement sur mon coup. Alors, elle a pris le rebond à gauche. Ouais. Ah. Puis à la différence du golf régulier, je vais aussi avouer un truc. Hein. Un coup raté en Ikoyi, c'est toujours moins dramatique qu'au golf régulier. Ça fait péter un câble, alors que là, pas du tout. Propre. Ah. Non. Ouais, ouais. Ouais. Ok. C'était un par 5, hein? Ouais, 7 alors. 91, par 3, handicap 13. Oh, joli. Ah, du coup, ça va derrière. Ah, punition. Alors là, typiquement... J'ai monté moi un club de plus. Ah ouais, du coup. Je ne savais pas quelle distance je pouvais faire avec chaque club. Or je suis allé faire un petit bout de prise en main de mes clubs à Écancourt. Comme je connaissais bien les distances du parcours, ça me permettait de voir ce que ça pouvait donner. Donc j'ai à peu près, alors j'ai plus ou moins étalonné mes clubs. J'ai au moins comme repère 100 mètres, 120 mètres, 150. Et puis je suis encore dans la découverte et dans l'apprentissage des clubs. Regardez Joël dans quoi il est. Regardez-moi ce bunker. Pouah. C'est juste beau. Voilà. Wow, joli! Il est à 6 mètres, allez, 4 mètres derrière le 4 mètres derrière le drapeau. Ouais. Et avec Serge, on est tout là-haut, nous. Ouah, c'est bien fait, ça. Ouah, magnifique. Très joli, Serge. Ah, moi, je te la donne. Non, non, je vais te donner. Ah bah je voyais de la pente comme ça moi. Putain, c'était presque un tout droit, j'ai pas j'ai vu. L'impression que les gens sont comme ça. Ouais. Oh non. Ouais. Ouf. Hop. Ouais. Deuxième part. On arrive bientôt à la fin de ce 9 trous. Hein? Sans chariot ni voiturette. Et on a commencé à tomber comme des mouches. Ah, en traversant la dune et le sable sur ces derniers trous. Alors, c'est une invitation à la plage, mais en chaussures de golf,
après la chaleur et tout, comme c'est dur. Donc on est cuit de chez cuit. Je voulais quand même terminer ce 18 en votre compagnie. Belle partie, faut avouer, très agréable. À partir du 15, on a commencé tous à morfler. Hein. Qui aurait dit qu'à Ardelot, on pouvait dépasser les 30 degrés. La météo a eu raison de nous. Ah ouais. Ah, c'est très, très joli ça, Joël. Magnifique. Ah là là. Pas un nuage. Il a été difficile de trouver de l'ombre. Ah, c'est très très bien touché ça. Ouais. Ouais, t'as chopé le truc. Et bon. On a plus rien à taper, on a maintenant. Ah là là. Ah, ça a été un régal alors. J'imagine qu'il y en a plein qui connaissent. Enfin, je connaissais la région, mais je ne connaissais pas le golfe du coin. C'est beauté d'entretien. Alors en plus, avec cette météo, juste incroyable, un peu trop chaud, parce qu'il n'y a pas d'air, il n'y a rien. Donc c'est compliqué, j'en ai la hanche en feu là. Mais ça a été une régalade, un vrai plaisir, un vrai bonheur de fouler ces fairways finalement un peu historiques, de jouer retrouvailles avec Serge et de rejouer avec Joël. Mais je vous avouerai que là, vivement le 19e, je ne sais pas où on va le prendre, si on le prend là, le 20e et le 21e, demain je vous emmène à la mer. Pas mal. Ah, ce sera un peu court, ouais. Ok. Plus de jus, plus de jus, plus de jus. Ouais. Yes, on the green. Alors, si je suis malin, ça roule. Si je vais sur la petite butte, là. Hop, ok, on va jouer ça. Allez, bon, après avoir fait plein de régules, après avoir fait des parts, 6 parts je crois, nous allons clôturer cette partie ici. On se retrouve de toute façon sur plusieurs autres vidéos, puisque je vais vous faire un What's in my bag et un FAQ. Oh, ça ira jamais. Ah ouais, mais là, sur ce trou, laisse fait 2 trous. Je suis mort aussi. Hein. Ah, ça tourne pas. On va passer à côté. Allez les amis, c'était donc une balade historique sur les pins. C'est ça, oui, les pins. Au golfe d'Ardelot. On va aller boire un coup là. Et puis je profiterai de ce 19e pour répondre à toutes les questions que vous m'avez mis, entre autres sur les réseaux. À l'issue de la première vidéo, il y en a plein. Comment on trouve des balles de 1950, comment on s'y met, comment on restaure, ça fait quoi de jouer, ça fait quoi de jouer en Icorie, bref. Une multitude de choses, mais là, tout de suite, maintenant, on va aller boire un coup. Ça a été un plaisir. Et puis, vous savez qu'il y a d'autres vidéos qui vous attendent. Venez liker, partager, vous faites ce que vous voulez. Ou venez vous abonner, mettez la petite flèche, la petite cloche. Enfin, ce qu'on vous dit à chaque fois. En vrai, tu fais ce que tu veux, mais au moins, tu ne rateras pas d'infos si tu viens. Moi, j'ai besoin. Ma casquette était en lin. Était certes terrible, mais je n'en peux plus. Donc, un coup à boire et c'est reparti.